Oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Allez, bon visionnage. Donc, bonjour à tous. On se retrouve. En fait, j'avais prévu de récolter, enfin de venir voir. Et je voulais faire ça à la balayette. Pour être tranquille, mais en fait, il y a trop de miel qui dégouline. Donc, c'est pas la peine d'essayer la balayette. On va passer aux chasse-abeilles. Je voulais faire à la balayette tout simplement parce que. J'ai plus de haussettes libres et donc je voulais remplacer les cadres par des cadres bâtis. Ça va pas pouvoir se faire. Allez, je vous recadre léger. Hop, parce que ça va se passer en bas de toute manière. Oh la masse. Celle-là, je l'ai placée il y a 2 jours. Je les amorce. Elles ont tout rempli. Il faut qu'on place le chasse-abeille. Et ça aussi, c'est bon à récolter. Je pourrais presque aller les mains nues. Hein. Je récolte pas forcément une fois que c'est operculé. Hein. Moi, pour moi, il faut juste qu'elles aient commencé d'operculer. En fait, j'ai une chambre, une miellerie. Et je termine le séchage du miel dans la miellerie avec une hygrométrie de 35-32% suivant l'extérieur et une température de entre 29 et 35 suivant l'extérieur. Donc ça me permet de pouvoir récolter là. Donc c'est ce que je vais faire. On va inverser celle-là avec celle-là, on mettra le chasse-abeille directement. Et puis, ça devrait le faire. Elles resteront pas longtemps. Comme ça. Alors pour répondre à la question... d'un internaute. En fait... Celle-ci, c'est de la buck hybridée avec de la caucasienne. Heureusement que c'est pas des hausses. Allez, je vous montre pour le fun. Yes. Allez, ça dégouline un peu alors. Une fois que ce sera operculé, je vais dévisser, je vais récupérer les brèches. C'était juste un délire comme ça. Allez, on va voir les autres. Voir ce qu'on peut faire pour essayer de gagner du temps. Ok, celle-là, il y a quelques cadres qui ne me plaisent pas. Donc j'ai amené une hausse. Ce que je vais faire. Et bien c'est replacer les cadres qui m'intéressent dans la hausse et les remplacer par de la cire gaufrée. Ensuite je mettrai ça au-dessus avec un chasse-abeille. Ok. Donc celui-là, il me plaît. Il est chargé. C'est parfait. Je place celui-là, il me plaît. Chargé, commencer d'operculer. On va les mettre dans le même ordre. Dans la hausse. Là.
ces opérculés. Alors, on va mettre ça là. Celui-là, on va le transvaser là-bas. Alors je fais ça, je le dis, hein, parce que j'ai plus de hausse. Donc là, chasse abeille. Oh la vache. Oh la vache. Donc c'est vraiment uniquement pour me libérer des cadres, parce que j'ai plus de hausse. RAS pour celle-ci, ça peut encore attendre 3-4 jours, je pense, avec le temps qu'on a là, averse beau temps. Et celle-là, c'est un peu plus, elle a encore des cadres libres. Donc voilà. Allez, ruchet suivant. On se retrouve sur le ruchet qui était dédié aux châtaigniers, avec cet essaim, enfin non, c'est un, oui, c'est un essaim de l'année, c'est une ruche qui est essaimée. Donc ça se remplit doucettement, j'ai juste remis deux cadres qui étaient de ce côté là, en fait elle a tendance à se mettre sur la gauche, je les ai remis au centre, voilà. Suivante, c'est celle-là. La suivante. Donc j'ai placé une vitre en plexi, c'est pratique, de temps en temps je fais ça sur certaines. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais rapprocher ces deux-là de cette partie-là, puisqu'elle est également ici. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est fait. On ferme. J'ai pas bien aimé leur réaction, elles ont un peu sauté, mais après voilà, un petit coup d'enfumoir et puis c'est... Ça s'est calmé. Suivante. Et là, trois hausses. Là, c'est sûr, faut faire quelque chose. Allez, j'ai qu'une main, j'ai pas le trépied. Ok, on a la première hausse. C'est enfin celle qui était tout en haut. J'ai même pas sorti les cadres, mais on voit, voilà, tout est operculé. Donc ça, c'est, je prends, ça libérera des cadres. La deuxième, eh ben, c'est en train d'être operculé. Je vais essayer d'en sortir un. J'ai qu'une main, alors désolé. Enlevez-vous les filles. Ah putain. La propolis. Voilà, il est en train d'être operculé. Et la troisième, donc c'est des amorces. Elles sont dessus. Pardon. Hop. Elles sont dessus. Elles y allongent. Et elles remplissent. Donc ça me laisse ouais, un petit peu de temps, mais pas énormément non plus. Il y a encore quelques cadres là qui sont vides. Donc ce que je vais faire, c'est je place le chasse-abeille. Je prends les deux autres. Donc elles auront assez de place là, je pense. Ça va être serré, mais ça devrait le faire. Et puis comme ça, roule ma poule, je vais voir avec la suivante également, mais je pense que la suivante ça va être pareil, hein, elle a trois hausses. Donc si elles ont rempli la dernière que j'ai mis là, je ramasserai les deux autres, parce que ça doit être du même état. Et puis voilà. Allez, je vous reprends, à tout de suite. Ok, chasse abeille mis. Et puis bougez pas, on va bien trouver un truc. Tac. Si je vous mets comme ça là, avec un peu d'angle. Ouais, c'est pas bon ça. Allez.
Et on revient chercher tout ce petit monde demain soir. Roulez, suivante. Ben vous êtes dessus. Alors il va falloir vous pousser un peu quand même. C'est pas que, je veux bien vous emmener. Je veux bien vous emmener en balade, mais quand même. Allez. Donc elle est là. Le temps que je déballe et puis je vous montre le cadeau. Ouh, enfin la dernière. Donc, et ben pareil, on a des hausses qui sont. Ouais, ça doit être même full operculé là, je pense. Ouais, j'ai un peu de mal, j'ai plus de mal. Voilà. Attendez, calmez-vous les filles. Pas trop enfumé quand même la hausse, mais bon. Ouais, c'est full operculé quoi, donc ça je ramasse. Ça je ramasse. La suivante qui est là, elle commence à operculer également. Donc les deux je les récupère. Et celle qui est en dessous, en fait, les cadres, il leur reste suffisamment à bâtir, donc je me fais pas de soucis. Et ben allez, go. Ça va être folklore. On pose. Là. On vient. Placer la première. Enlever la deuxième. Mettre la troisième avec les chasse-abeilles. Reprend. Alors j'ai laissé la hausse vide, je récupère ces deux là. Là pareil, c'est la hausse qui est en train d'être remplie, je récupère ces deux là. Et je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain. Et on se retrouve le lendemain pour récupérer les hausses. Tac 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 tac. Une petite pluie qui ouais je sais pas, enfin franchement elles sont quand même à l'activité. L'entrée est là. Bon. Donc ben voilà, chasse abeille c'est super bien hein, je sais pas si vous allez voir mais il n'y en a plus une seule, donc je vais récupérer. J'ai ces deux là aussi. Et puis, voilà. Et la deuxième. Et on va dire. Ah, il y en a une. Non, ça va. Franchement, c'est gérable quoi. Elles partiront. Ça va le faire. Là par contre, on va regarder s'il y a de l'abeille. Moi j'ai déjà regardé, mais. Mais quand même, hein. Elles sont bien, bien serrées. Les cadres sont pas étirés en fait, elles sont en train de les étirer. Je sais pas si vous allez voir là. Donc voilà. Ça tient large. Je suis content. Je récupère ça. On retourne dans la voiture. Ok. C'est chargé. Tac. Arrivé sur le rucher avec l'immeuble. Et ben ouais, il y a quand même du monde à la porte. On récupère la hausse en plastique, les deux. Et puis ça sera bon.
Allez, je vous reprends après. Ciao, ciao. Opération terminée. Ça a un peu dérangé les deux colonies là, on voit ça. Voilà. Moi j'adore ces postures là. Je kiffe. Elles sont pas belles mes abeilles? Non, je déconne. Mais votre aussi elle doit être belle. La haussette que j'ai dégagée de cette ruche, je l'ai placée tout là-bas. C'est pour ça qu'il y a un peu d'agitation également. Ici, elles sont belles aussi celles-là. Donc voilà, ça me laisse un peu plus de temps, de marge de temps quoi. Après ça vole pas, il pleut de toute manière. Donc, allez, direction, séchage à la miellerie. Et voilà, on est là à la miellerie. Miel de montagne, miel de tournesol, le déshumidificateur et extraction demain, on verra. Bonne soirée à tous. Deux jours de séchage, 35,5, 30% d'humidité. Je vous dis, vous pouvez pas rester.